Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Super Opening. Aujourd'hui, donc comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, ça sera, je pense, le dernier cristal 15K. Enfin, finalement, c'est un 11K, mais bon. Si vous avez suivi ma dernière vidéo que j'ai fait, du coup, bah, c'était lundi. Ma dernière vidéo, du coup, a engendré l'achat d'un cristal à 15K au lieu d'un cristal à 11K. Du coup, on va acheter le 11K cette fois-ci. À côté de ça, on a quelques petits trucs, quelques petits cristaux à ouvrir. Et du coup, on va les ouvrir dès maintenant. Donc, on va ouvrir aussi des cristaux d'arène. On a 2-3 petits trucs à ouvrir hein, quand même. Tiens, on a des cristaux de pierre. On a pas mal de cristaux de pierre en final. 3 étoiles, 4 étoiles, c'est pas mal. Ouais, ça va me permettre de maxer 2-3 persos et tout, c'est cool. À côté de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc après, bien évidemment, comme je vous ai dit, j'ouvrirai que des 10K et avec des 11K, en fait, j'ouvrirai plus de 15K. Là, maintenant, je vais maximiser au niveau des éclats parce que voilà. Bon, je continue avec les... Bah, parfait, j'ai terminé l'événement solo. Il faut que je chope les persos aussi, mais bon... Ils vont arriver petit à petit. Là, il y a Vision Arcus qui est arrivé déjà. Il y a Elsa Bluestone qui va bientôt arriver, que je n'ai pas non plus. Donc, au bout d'un moment, ils vont quand même arriver. Et j'aurai quand même les 11K qui vont arriver petit à petit. Donc ça fera kiffer quoi qu'il arrive. Allez, les pierres 5 étoiles. On a eu beaucoup de science, hein. Putain, 5 sciences. Donc, je vais ouvrir des cristaux d'arène. Tiens, je vais ouvrir 5 cristaux d'arène. Ouvrir 5 cristaux d'arène parce que j'ai pas mal d'insignes que je garde pour la trésor. Ça fait mal. Du coup, on va ouvrir. Allez, petit cristal donc avec donc des éclats, cristal de l'amitié, pourquoi pas. De l'or, encore et encore de l'or. Tiens, je vais ouvrir... Oui, c'est vrai que je vais aller ouvrir ça, tiens. Ça fait longtemps, je les ai ouverts dans le dernier big opening que j'ai fait. Je sais pas s'il sera sorti normalement, au moment où vous verrez cette vidéo. J'ai déstocké un peu ces cristaux-là, en vrai, ça fait... Voilà, ça fait des petites pierres et tout, des petites pierres 2 étoiles, des petites pierres 3 étoiles. Les boosts, on s'en fout un peu. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Donc là, on est bon. Et on va aller en prendre un peu plus. On va en avoir une quarantaine. Bon, ce qu'il faudrait, c'est avoir de l'alpha là-dedans. Mais bon, il faudrait vraiment qu'il fasse des événements comme ça. Enfin, des cristaux solo, des événements pour les chevaliers. Hein, parce que... Là, ces cristaux-là, ils sont vraiment dépassés, quoi. Maintenant, il faut vraiment des gemmes d'éveil. Et même, au final, même s'ils augmentent d'une quantité, si, ça fera des éclairs. En vrai, ça fera des pierres 3 étoiles, des pierres 5 étoiles, ça fera kiffer. Et des petits boosts 5 étoiles aussi. Mais, ouais, faut vraiment qu'ils fassent une autre rareté, parce que, enfin, c'est ridicule, quoi. C'est vraiment ridicule. Ok, on va ouvrir, du coup, les cristaux SCH. Est-ce qu'on a des cristaux SCH déjà ici? On doit en avoir quand même. Oh, on en a 9 quand même. Allez. Ah, 1-3 étoiles. C'est pas ouf. Ensuite. On a quoi de ce côté-là? Je crois qu'on n'a pas grand-chose hein, de ce côté-là. Alors, on a quand même 2 petits cristaux du jour. C'est pas ouf. Donc, on va aller à côté. Ici, on va ouvrir donc tous les cristaux héroïques. On en a 13. On en a 13. Allez. Et un petit 4 étoiles. Ça fait plaisir. Et en plus, du coup, on fait l'événement solo. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment kiffer. Ça fait des éclats 5 en plus. Ça fait kiffer. Et un petit 4 étoiles en plus. Mais ça fait plaisir. Et qui est également au max. Comme je vous ai dit, maintenant, ils sont presque tous au max. D'ailleurs, je vais aller mettre des pierres après, là. Je me suis chauffé, je vais aller mettre des pierres.
Tiens, on récupère les glands là un peu. On en récupère 10 000. Ah, il y a le truc d'arène que j'ai bientôt fini d'ailleurs. Hop. Ça, c'est quoi d'ailleurs? Événement solo. Progrès tech. Bon, la boutique de gland, je pense que je ferai au fur et à mesure, hein, de toute façon. Donc là, maintenant, on a ouvert tous les CH. Maintenant, on va ouvrir tous les cristaux de compétences max. Est-ce que ça va me permettre d'en ouvrir un autre? Non, c'est impossible. C'est dommage. C'est dommage, je vais pas être loin. Je vais pas être loin. Allez, on ouvre le petit cristal 3. Magnéto, Kéo Max, ça fait un petit cristal de compétence max. Est-ce qu'on va pouvoir en ouvrir un autre de cristal de compétence max? Ça m'étonnerait. Hein. Ah ouais, on va pas pouvoir. C'est dommage. On est à 5 800. Putain, on n'est pas loin. Il n'y a rien qui nous permet d'en avoir. Ah, c'est dommage. Hein. Bon, on a quand même 2-4 étoiles. Donc il y a Vision Arcus que je n'ai pas. Il y a Black Widow Clairvoyante. Ah, tiens, je vais aller regarder sur mon truc en même temps. Comme je vais de toute façon l'ouvrir derrière pour mettre mes pierres, on va en profiter. Alors, qui c'est qui me manque en 4 étoiles? Alors en 4 étoiles, en tech, en cosmique, il me manque Vision Arcus. Enfin, Surfeur d'argent, mais qui n'est pas encore dedans. J'ai toujours pas Darkhawk, sérieux? Putain. J'ai toujours pas Darkhawk. En mutant, j'ai tout. En science, Mister Fantastique qui n'est pas encore sorti. En mystique, Black Widow Clairvoyante, comme je vous ai dit. Et Manthing, donc du coup, bah, qui n'est pas encore dedans. Et en virtuose, il me manque. Non, Ronin, je l'ai obtenu. Ronin, je l'ai obtenu. Ah, si, je crois que je l'ai obtenu. J'ai dû l'obtenir. Et Elsa Bloodstone qui n'est pas. Bon, en vrai, en 4 étoiles, il me manque très peu. Je crois qu'il me manque presque autant de 4 que de 3 au final. Hein. Black Panther, qui a été mon deuxième 4 étoiles hein, obtenu. Je l'ai obtenu quand, lui? Je l'ai obtenu en juin 2015, si je ne m'abuse. Cette version du Black Panther, je l'ai dans cette rareté, vraiment celui-là, hein, précisément. Je l'ai obtenu ouais, en juin, juillet, un truc comme ça, quand je me suis. Ouais, je crois que c'était juin, hein, c'est un moment où je venais d'arrêter de jouer et tout, un petit peu. Donc voilà. Et le deuxième cristal, ça sera Daredevil. Oh, que j'ai pas dû récupérer beaucoup trop tard après hein, non plus. Qui est également au max et qui va me permettre de gagner encore une fois des éclats 5. On va monter presque à 15 000. Hop. Et donc là, on va dans la boutique. On ne prend pas un 15K. Léo ne fait pas cette erreur. Ce n'est pas possible. Ok. Tiens, d'ailleurs, dans la boutique d'écureuil, est-ce que je peux acheter des trucs? Je peux pas acheter ça. Je peux acheter? Ah, je peux pas acheter tout. C'est dommage. Hop, je peux déjà acheter une partie. Il n'y a pas d'autres trucs là que je peux récupérer? C'est bizarre. Augmente le niveau. Je pense que je le ferai dans une vidéo à côté. Je le ferai dans une vidéo à côté, les événements et tout, dans un autre super opening. Ok, et eh ben écoutez, on va ouvrir le cristal. Donc cristal featured. Maintenant il y aura moins de cristaux featured. Hein. Là c'est vrai que je vous avais habitué à beaucoup beaucoup de cristaux featured. Non, j'ai failli faire l'erreur encore. J'ai failli faire l'erreur. Léo, calme-toi, arrête, arrête. Marché d'Isonoa et tu prends ce cristal de malheur. D'ailleurs ici, oui, il faudra que je prenne encore, faudra que je prenne les sélecteurs. Hop, voilà. Donc il nous restera, je crois qu'on avait. Attendez, on avait dit combien? Il nous reste 75 jours divisé par 14. Ouais, il me reste 5 tentatives. Attendez, attendez. On va faire. Donc dans 11 jours, donc dans 12 jours, plus 14, plus 14, ça fait 3 tentatives, plus 14. Plus 14. Ouais, ok. Ok, donc j'aurai 5 tentatives encore. J'aurai 5 tentatives. 5 tentatives de featured après celle-là. Donc en espérant, comme je vous ai dit, choper 2 featured en plus, ça pourrait vraiment être cool. Et après, bah, de toute façon, on pourra en choper également dans les cristaux
dans les cristaux basiques, hein, bien évidemment. Mais... Bon, en tout cas, on est parti. Donc, nouveau Crystal Featured, je vous rappelle, il y a 6 personnages que je n'ai pas. Vautour, Thor Jane en non-featured, et en featured, Mister Fantastic, Elsa Bloodstone, Guillotine 2099 et Vision Arcus. Les éveils, ce qui pourrait être intéressant, c'est Black Widow, par exemple. Il y a Psylocke également, que je n'ai pas éveillé. Il y a d'autres éveils hein, qui pourraient être intéressants. Voilà. Mais si je pouvais avoir un nouveau, ça serait vraiment cool. C'est vrai qu'on n'a plus de nouveau là dans ce cristal. Allez. Oh, mais encore Spider-Gwen, c'est dingue. Donnez-moi X-23, au moins, je ne l'ai pas éveillé. Putain, Spider-Gwen, elle passe à 80, je crois. 80? Putain, c'est la... Ah non, 60. Mais c'est la troisième fois que je l'ai. Pfff. Troisième fois que je la chope dans ces cristaux, putain. Ah, c'est comme Manfink, j'arrête pas de le choper. Et c'est comme le fauve sur l'autre, sur l'autre compte. Sur l'autre compte, le fauve, j'ai chopé 3 fois, je crois. Un truc comme ça. Dont 2 fois d'affilée. Ah, ça rend dingue. Ça rend dingue, franchement. Ah, j'en peux plus, j'en peux plus. Bon, je suis moins chanceux hein, sur ce run featured. Bon, après, j'ai eu Doom quand même, mais... Ah, ça m'énerve quand même. J'aimerais bien choper un des 4 autres quand même. Hein. Un des 4 autres qui ferait kiffer. Hein. Surtout la guillotine. Guillotine, je pourrais la mettre R5. J'ai des gemmes de, j'ai des gemmes tech et tout. Ça ferait kiffer. Et Mister Fantastic, faut vous dire toujours que j'ai donc des gemmes science et tout. J'ai une gemme de R4, R5. Et j'ai aussi la gemme R4, non? J'ai même plus. Je crois que j'ai une gemme R4, non? Aussi. Ah non, j'ai gemme R3. Ouais, c'est ça, j'ai jamais R3. Ok, bon, voilà. En vrai, voilà, ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier, surtout qu'il y avait beaucoup de features qui défilaient juste avant et tout pour me troller un maximum. Enfin, voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me donner votre avis sur ce tirage, sur cette vidéo. Et bah, moi, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Juste, je vérifie, hein, je n'ai pas Dark Oak, hein. On est bien d'accord que je n'ai pas Dark Oak 4 étoiles. Ouais, je ne l'ai vraiment pas. Hein. Putain, c'est incroyable. Enfin voilà, en tout cas, merci à vous. Bonne soirée, on se retrouve très vite. Salut, à la prochaine et bonne chance sur vos tirages. J'espère que vous en aurez plus que moi. Merci à vous et bonne soirée.